Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu vas bien, hein, malgré ce cauchemar. C'est un cauchemar. Mais ça, tout le matin, je me lève, je me dis, je suis en train de rêver. Moi, je suis en train de faire un cauchemar, là. Non, ben non, c'est la réalité, hein? C'est notre réalité maintenant, là, depuis, en tout cas, quelques jours déjà, puis pour les prochaines semaines, mais écoute. Moi, en tout cas, j'ai bien confiance quand même. On est au Québec, puis j'ai confiance aux Québécois, à notre gouvernement, puis à tout ce qu'on va faire. Puis surtout, ben, j'ai confiance que les épiceries vont rester ouvertes, hein? Parce que là, franchement, j'aime mieux mourir de d'autres choses que mourir de faim, ça c'est sûr. Donc écoute, je pense qu'on n'a pas à s'énerver là-dessus. On a la plus grande, écoute, je pense qu'au monde, on est le deuxième meilleur distributeur là, de notre système de distribution alimentaire le plus solide qui existe sur la planète. Donc si on va être bien les derniers à manquer de nourriture si ça arrivait un jour, je peux pas le croire. Mais écoute. Quand même, il faut après, faut continuer, hein? Faut continuer à vivre, faut continuer à faire nos repas, notre épicerie. C'est sûr que là, hein, j'y vais plus à tous les jours, là. Tu sais, j'y vais une fois, puis là, pour la semaine, hein, de préférence. Puis c'est comme ça, mais j'essaie toujours d'économiser de l'argent quand même, c'est important. Donc, écoute, j'ai pris quand même le temps pour toi, là, du 26 au 1er avril. Non, non, c'est pas un poisson d'avril. C'est vraiment, ça finit le 1er avril cette semaine. Donc, c'est la dernière semaine de mars. Puis là, après ça, c'est le printemps qui commence. Puis ça, là, je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver au printemps pour nous autres. J'en suis convaincu. Puis, il faut rester optimiste. Il faut être positif, surtout. Hein? Parce que là, on est en famille. Hein? C'est le fun dans ta famille. Hein? D'ailleurs, je t'invite, hein, pendant qu'on est en famille, d'aller justement t'abonner à ma chaîne YouTube, t'abonner à l'abonnement VIP de Papa Popote. Hein, parce que, premièrement, tu vas sauver beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Puis tu vas m'encourager aussi à moi, aussi à m'aider à nourrir ma propre petite famille. C'est bien important. Écoute, on commence tout de suite avec IGA. Écoute, chez IGA, cette semaine, la poitrine de poulet désossé. Moi, c'est pas mal la grande vedette cette semaine, un peu partout. Il l'a quasiment partout. Donc, chez IGA, la poitrine de poulet désossé à 3,99 hein, la livre. Notre spécial est encore là. Hein, c'est la spéciale qu'on aime toutes. À 8,80 le kilo. Ça, c'est sûr, la poitrine de poulet, là, c'est sûr, on en veut tout le temps. Hein, on veut, j'espère qu'à toutes les semaines, il va y avoir ce spécial-là quelque part, c'est certain. Aussi, chez IGA, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le beefsteak Del Rio. T'as le goût de manger un bon steak. Le soleil commence à sortir, les charcoals, on va pouvoir se faire ça dehors, parce qu'on peut quand même sortir dehors, là, sur notre balcon, pour aller faire un steak, ça c'est sûr, inquiète-toi pas avec ça. Donc écoute, c'est chez IGA qui a le meilleur steak cette semaine. Il est à 7,99 la livre, ou si tu préfères 17,61 le kilo. C'est sûr qu'on l'a vu, peut-être ça la semaine passée, là, 2 semaines, à 6,99 la livre. Là, à 7,99 la livre, c'est sûr que c'est pas le top spécial qu'on a jamais vu du filet dans le beefsteak Del Rio, le T-bone, ça c'est sûr, mais quand même. Ça vaut au-dessus de 35 pièces le kilo, donc à 17 pièces le kilo, c'est quand même un bon deal. C'est juste qu'on s'habitue vite, hein, à aller des vrais bons spéciaux. En tout cas, c'est le meilleur spécial qu'il y a cette semaine, ça c'est garanti. Aussi chez IGA, écoute, hey, ça tombe pas souvent spécial. C'est des cubes, écoute, c'est tout petit, c'est des petits tubes, tu vois, de 130 grammes. J'ai goûté à ça c'est une passée, je t'ai fait d'ailleurs pas une vidéo, mais une petite photo là. De mon tartare au saumon. Moi, j'ai essayé le saumon. Il y a le thon, il y a les pétanques, il y a le bœuf, tout déjà coupé parfaitement. Là, t'sais, des petits cubes parfaits. J'aurais pensé que ça me brûlerait dans la bouche. C'est du poisson cru comme ça. Pas du tout, vraiment. Il était vraiment. Là, il n'y a pas le petit blanc. Hein, il est vraiment juste du rouge. C'est comme s'il avait coupé des cubes entre le gras du saumon, là, tu sais, c'est vraiment, écoute, j'étais vraiment impressionné, puis ça coûte assez cher, ça, là. C'est 10 piastres, un petit tube de même. Puis un petit tube de même, tu peux faire deux belles entrées, là, même, ça pourrait être des soupers, ou bien quatre petites entrées, hein, ou accompagner avec quelque chose d'autre, là. C'est vraiment super, tu mets un petit peu de coriandre là-dedans, ciboulette ou échalote, avec un geste de lime, par exemple, tabarnouche, c'est, t'as dit, là, si t'as essayé, si t'as goût d'essayer quelque chose cette semaine, justement, hein, c'est le temps de faire des recettes, ben écoute, achète-toi ça. Il est 6,99 le tube. Comme je te dis, c'est pas donné, mais c'est quand même un 30% de rabais, là. C'est quand même intéressant. Puis comme je te dis, c'est rare. Moi, en tout cas, c'est sûr, je vais en racheter parce que c'est surgelé. Puis ça, je dégèle, écoute, tu sors ça, là, 10 minutes après, en dessous de l'eau, surtout qu'il est tellement tout petit que c'est déjà fait. Tu peux te faire ça n'importe quand. Puis toujours écrit. En tout cas,
J'ai vraiment adoré ça. Tu me donnerais des nouvelles, voir si tu aimes ça toi aussi. Ça, c'est chez IGA. Ben écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, chez Maxi, le poulet entier, hein, en duo, il te le fait des paquets de deux, c'est sûr, parce qu'ils te le font à 1,77 la livre, ou si tu préfères, 3,90 le kilo. Ça, c'est intéressant, c'est sûr. C'est la seule place que le poulet entier cette semaine, là, en spécial comme ça. Donc, c'est chez Maxi, hein, c'est le fun. Puis, tu sais, ça sent bon, puis on peut se faire des... une rôtisserie avec ça, comme des rôtisseries, se faire un petit souper là, avec des patates. Puis moi, ce que je fais, là, c'est que je me prends des pains burgers sans le toaster. Je les sépare en deux, sans un autre toaster, ça me prend deux pains, on est quatre. Fait qu'une tranche chaque, avec une petite sauce Saint-Hubert, une frite là, que je mets dans le four. Puis mon poulet, là, parfaitement assaisonné, puis juste bien rôti comme je l'aime. Puis écoute, ça nous fait un super souper. Puis surtout, il te reste en plus de ça du poulet pour le reste de la semaine. Fait que ça, c'est super. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le jambon. Le jambon en toupie, olimal, 1,6 kg, OK, pour 8$, 7,98. Ça a du bon sens, parce que c'est sûr que tu ne mangeras jamais dans un souper 1,6 kg, hein, même si on est 4, là, c'est, non, jamais, tu vas en manger, là. Le tiers de ça, mais tu as mangé 600-700 grammes, ça va être pas mal, hein? Il va te rester encore un bon kilo là, de jambon pour après ça te faire des petits déjeuners. Tu te coupes une tranche, mets ça dans un poêle, là, avec un petit œuf, là, deux toasts. C'est super facile. Ou bien tu peux te faire un souper après ça avec des tranches de jambon, avec des ananas. Hein? Tu prends une canne d'ananas ou des ananas fraises. Ils sont souvent à 2$ dans cet incite, 2-3$ les ananas, là, super bon. Tu te fais ça là, avec un petit filet de sirop d'érable. On est dans le temps des cycles qui s'en vient. Là, fait que faut en profiter. On est les. Hein, notre sirop d'érable, il est vraiment pas cher ici en plus. Puis c'est tellement bon en plus de ça. Autant pour la santé qu'au goût. Puis c'est le sucre là, des riches qu'on appelle. Mais nous autres, c'est notre sucre bien ordinaire. Fait que, écoute, je te conseille vraiment ce petit jambon-là. Aussi, chez Maxi, écoute, il y a une charcuterie. Bon, pour tes lunchs. Je sais bien qu'on n'a pas besoin ben de lunch dans cet incite, là, ça c'est sûr. Là. Mais quand même, toi, tu voudrais pique-niquer dans le milieu du salon, hein? On ne sait jamais. On se fait ça, là. On se met une couverte à terre, puis on se dit, on mange des sandwichs au jambon. Parce que là, écoute, c'est des 500 grammes. Hein? 500 grammes, tu sais, ça coûte cher, la charcuterie, ça n'a pas de bon sens. Mais là, à 5,48, ça vaut le double. Ça a bien du bon sens pour 500 grammes. Tu as autant la poitrine de poulet que le jambon. Il y a du jambon forêt noire à l'ancienne. Encore ça, là, il y a toutes sortes de charcuteries. Mais 500 grammes pour 5,48. Aussi, une autre idée que tu pourrais faire avec ça, un style Subway. Là, tu sais, tu t'achètes des beaux pains. Là. D'ailleurs, chez Maxi, vu qu'on parle de chez Maxi, ils vendent ça, eux autres, c'est 6 pains sous-marins pour 3$. C'est son prix normal, là. OK, fait que ça vient à 50 cents du pain. C'est pas cher. Fait qu'avec une viande comme ça, on peut commencer à s'amuser avec des légumes comme faire comme chez Subway, à se faire des bons sous-marins comme chez Subway, là, une petite bacon là-dedans. Ça peut être assez effrayant. Fait que, puis en même temps, ça nous occupe. Puis, tu vois, puis ça, t'es sûr que les enfants, ils peuvent pas faire ben d'erreurs. Là. Ils peuvent pas mettre le feu. Ça, c'est sûr. Fait que, en tout cas, regarde, une petite idée de même là, d'activité, mettons. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Continuons tout de suite avec Métro. Hein? Chez Métro, qu'est-ce qu'on a? Ben, le bœuf haché Mimec. C'est la seule place que du bœuf haché Mimec cette semaine. Puis c'est chez Métro. À 2,88 la livre, ou si tu préfères, 6,35 le kilo. Hein? Là, c'est peut-être le temps de faire une bonne sauce à spaghette. C'est sûr que j'aime mieux moi, du Mec personnellement que le Mimec. Mais parce que ça fait trop de gras, tu sais, moi j'ai fait la cuire ça longtemps, là, laisse mariner ça, hein, avec des épices là-dedans, ma petite sauce à spaghette, Puis quand que, bon, c'est sûr que je n'arrêterai pas ou je ne paierai pas le double du Mec, là, ça c'est sûr, fait que si c'est du Mimec, je vais m'en contenter. Puis de toute façon, quand tu le laisses, tu sais, tout le gras fait sur le dessus, puis avec une cuillère ou une pipette, j'enlève tout le gras sur le dessus. Que ça revient au même, hein. C'est juste que je calcule un peu plus de viande, vu que je sais que ça va fondre, puis il y a beaucoup de gras que je vais enlever, là. Bon, c'est sûr. Fait que, écoute, ça, c'est ça pour chez Métro, pour ce qui est du bœuf à chez Mimec, à 2,88 la livre, où tu peux faire 6,35 de kilo, je te répète, ça a bien du bon sens. Aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir chez Métro? Le jeune dindon. Écoute, c'est marqué à partir du 1er avril. Comme si, je ne sais pas si c'est pour le 1er avril, c'est une joke, je ne sais pas. Quoi, il est dans le circulaire en première page. J'imagine que si c'est à partir de tout de suite, là, jeudi, là, qui est en spécial, qu'on va pouvoir l'avoir, parce qu'il était même pas cher, là, 1,29 la livre, ou si tu peux faire 2,84 le kilo pour une belle petite dingue, là.
Bien rôti, là, juteuse, ça peut être super bon. Puis encore là, ça c'est sûr, tu ne manges pas ça dans un souper, fait qu'il t'en reste, là. Tu peux te faire après ça bien des affaires avec. C'est comme du poulet, de la dinde dans le fond, on s'entend. Puis je sais que dans la dinde, il y a encore un peu plus de protéines que dans le poulet. Tu dis ça de même, là. Ça peut être intéressant si vraiment là, la protéine c'est important pour tout le monde, mais encore plus quand tu as 50 ans et plus, là. Si tu as le choix de manger une salade, une protéine, ben tu prends pas, t'as pas faim, mais tu manges la protéine, tu laisses faire la salade, hein. N'oublie pas ça. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on retrouve? Écoute, les os de cuisse de poulet désossés, hein? Toutes prêtes, avec pas d'os, pas de peau, pas rien. Ça, c'est sûr que c'est super. Normalement, on l'a à 3,99 la livre, mais tu vois, cette semaine, il est 4,49 la livre. Hein? Que c'est ça? Ou 9,90 le kilo. Bon, c'est sûr que c'est pas mon 3,99 et moins. Hein? C'est ça que là, pour moi, c'est un vrai rabais. Mais quand même. C'est pour te montrer que quand même, éventuellement, on sent là, que les rabais, bon, il va être de moins. Ils l'ont dit de toute façon au début de l'année, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en ce moment. Que les prix vont augmenter. Ben, est-ce que c'est un signe? T'sais, à chaque semaine, je regarde ça, là, puis en tout cas, je n'ai pas aimé ça de voir ça, 4,49. Mais quand même, c'est un bon prix, là. C'est sûr. Hein? C'est juste que c'est pas 3,99 l'année. C'est tout. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, ben là, tu vois, les poitrines de poulet, ils sont passés le mot, c'est sûr, là. Ou les os de cuisse, par exemple. Eux autres aussi, là, ils ont les os de cuisse, mais à 3,99. Ah, là, ils me font plaisir. 3,99 la livre, ou si tu peux faire 8,80 le kilo. Ben là, hein, pour du vrai suprême de poulet, tout désossé, pas de peau. Ou bien les os de cuisse, tout désossé, pas de peau. C'est sûr que c'est comme je te le dis tout le temps, c'est la même bête, mais c'est deux viandes différentes, deux textures différentes. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. C'est sûr. J'adore personnellement les os de cuisse, là. Hein? Moi, je fais ça mariner ça, là, mettre ça dans le four, là. Ah, tellement bon, tellement bon. C'est facile à faire, là. C'est super facile. Fait que je te conseille vraiment. Écoute, il y a plein de recettes. De toute façon, tu sais, je vais en faire de plus en plus de recettes, là, c'est sûr. Mais quand même. Regarde sur Internet, là, il y a des belles recettes, ça vaut la peine. Moi, je te donne, là, dans le fond, la protéine à aller chercher chez Provigo. Là, c'est sûr que les os de cuisse, c'est là qu'il est le moins cher cette semaine pour les os de cuisse. Qu'est-ce qu'on trouve aussi chez Provigo? Ah oui, les crevettes. Crevettes, hein, ça, là, pas cher, 5,99 le sac de 300 grammes. Puis c'est des 20-30. C'est pas des 20-40, c'est des 20-30. Donc, un peu plus uniforme, plus grosse aussi, parce que 40, ça, c'est quand tu compares une 20 à comparer d'une 40. Il y a une grosse différence. Puis souvent, ils sont dans le même sac. Puis là, tu sais, c'est pas équitable, là, comme on dit, là, tu sais. Souvent, il y a plus de 40 que de 20. Mais là, tu vois, à 20-30, il n'y aura pas de 40, on s'imagine. Donc, ça a bien du bon sens. Puis 300 grammes pour 6 piastres, là, ça te fait un souper. Avec ça, là, des légumes, un petit sauté de crevettes, là. Super avec des bons légumes. J'ai refait derrière ma petite recette de choux de Bruxelles. Là. Je m'en suis encore fait la semaine passée. C'était tellement bon, tellement frais. Cette différence cette fois-ci, c'est que j'ai fait une petite pâte. Parce que mon gars il me disait, oh, pourquoi il n'y a pas de pâte? Il y a juste des légumes, c'est comme ça. Ouais, je sais. Fait que, moi, j'ai fait une petite pâte. Mais tu sais, des petites pâtes, là, comme des vermicelles là, tu sais, de riz. Là. Tu t'es enroulé, c'est des paquets de rouleaux. Il y en a 8 dedans. Là. Tu en prends quelques-uns, ça va dans l'eau 3 minutes. Tu sors ça. Fait. Tu mélanges ça avec tes légumes et tous tes carottes. Non, vraiment, c'était super bon. Puis je te le conseille vraiment. Chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Écoute, le saumon fumé. Ah, hey, si je t'en parle, ça fait longtemps que je t'en parle de mes rouleaux de saumon fumé à la crème. Là, il faut que je te fasse la recette. Il faut que je te montre ça. Il y a une petite technique à aller chercher là. Quand tu vas découvrir comment faire ça, tu vois que c'est super. Fait que achète-toi-en. Mets-toi-en dans ton congélateur. Quand je vais faire la recette, tu vas l'avoir pour pouvoir en faire. Parce que c'était à 9,99 le 300 grammes, c'est vraiment pas cher. Ça vaut le double. C'est cher du saumon fumé. Mais à 10$, là, oh, là, ça devient comme économique, là, abordable. Super, écoute. Une affaire comme ça, là, à deux, là, avec la crème, la crème avec des petites biscottes, là, ça me fait un souper. Tu sais, des fois, c'est un petit soir avec un petit verre de vin, là, on veut pas se faire le gros souper, là. Tu manges ce petit appetizer, là, c'est, hey, écoute, c'est délicieux à chaque bouchée. Il y a un petit goût d'air vénézé écœurant, là. Juste ça fait ton speed, là, c'est sûr. Là. Fait que c'est chez Provigo pour qu'il y ait du saumon fumé 300 grammes à 9,99, là, je te conseille vraiment. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Continuons finalement avec Super C. Écoute, chez Super C, la poitrine de poulet désossée. Comme je t'ai dit, elle est partout. Mais là, c'est là qu'il a le moins cher. À 3,88 la livre.
Hein, là, tu sais, tu es à 3,99 ailleurs. Lui, il est à 4,88 ou si tu préfères 8,55 le kilo. Chez Spicy. Super bon, vraiment, là, c'est ça qu'on veut. J'espère qu'on va en avoir. Puis tu sais, hein, ne pas, on demande un bon différé. Puis chez Spicy, il donne 10% en plus. Enfin, 10% de, mettons, de 3,88, là, mais c'est un autre 38 cents de moins. Fait qu'on tombe là à 3,5 là. 3,5 la livre pour du vrai bon, hein? On souhaite quasiment qu'il n'ait pas. En tout cas, regarde. C'est sûr que va chez Super C cette semaine, qui l'a le moins cher, ça c'est certain. Aussi, chez Super C, qu'est-ce qu'on trouve? Ah oui, les cubes de bœuf à ragoût. Écoute, normalement, moi je te dis tout le temps, tu prends le rôti, surtout si tu le payes 6,59 le kilo, tu l'arranges toi-même. T'sais. Je ne paierais pas 11$ le kilo là, pour le faire. Mais là, à 8,80 le kilo, donc 3,99 la livre. Le rôti, normalement, là, super spécial, là. Il est 2,99. Donc là, pour 3,99, il est déjà coupé. Hein? Il est déjà tout paré, coupé, pas trop partout. Là, c'est ça l'idée. Hein? C'est que ça soit facile. Fait que là, si tu n'aimes pas ça, toi, qui as arrangé de la viande, quoi que ce soit, mais là, c'est vraiment le bon spécial. Là, hein? Des bons cubes de ragoût comme ça. Quand il parle des cubes de ragoût, tu peux faire des fondus avec ça. Tu peux faire un sauté aux légumes avec des cubes de viande. Tu peux faire, tu peux faire un ragoût aussi, là. C'est certain. Mais écoute, c'est chez Spicy que le bœuf comme ça, là, les cubes là, parfaits, là, c'est chez Spicy. Il n'y a pas d'autre part ailleurs à ce prix-là. Ça, c'est sûr. Chez Spicy, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Ah, ben oui. Ah, du bon bacon. Du bacon sélection, là, c'est sûr que c'est, hein, c'est à tous les jours, on pourrait en manger, hein, qu'un œuf, puis tout, parce que là, on a plus le temps, mais c'est pas conseillé, là. Hein? Non. À 375 grammes, là, à 2,99 pour ça, écoute, quand on sait. Quand ils nous font un spécial de bacon comme ça, on sait que quand même, tout va relativement pas pire. Hein? Finalement, on est correct. On a du bacon, donc on est bien. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour Super C cette semaine. Puis la liste de papa popote. Écoute, j'aimerais ça en profiter, là. Puis je te conseille. Alors, on est-tu chanceux, là, d'avoir des gens en ce moment qui travaillent dans les épiceries? Même mon propre fils, il est un emballeur chez une de ces épiceries-là. Puis vraiment, c'est sûr, ça m'inquiète toujours un peu, mais quand même, il faut qu'on continue. Puis c'est nos héros, comme dirait M. Legault. Puis vraiment, là, moi, quand j'y vais, je manque pas de dire à la caissière, merci d'être là, c'est gentil, merci, fais attention à toi. Tu sais, un petit sourire, être patient, tu sais, de comprendre qu'elle, là, elle envoie là, des ça arrête pas, là, tu sais, dans une journée, fait qu'elle est à risque tout le temps. Puis ça, ben écoute, ça nous prend ces gens-là pour qu'on puisse continuer à faire l'épicerie, nous autres, là, parce que si tout le monde qui travaille à l'épicerie, ils sont malades. Même s'ils ne veulent pas faire mes épiceries, il faut que ça prenne du monde. D'ailleurs, tu sais, là, avec toutes les mesures qu'il y a, il y a bien des gens qui cherchent tout l'emploi rapidement. Puis je sais que dans les grandes surfaces, comme les Provigo, IGA, partout, les cacailleries, ils cherchent du monde. Fait que si tu veux te dépanner, attends que tu reprennes ta job normale, bien des fois, ça peut peut-être te dépanner. Fait qu'écoute, regarde ça, hein, c'est sûr, mais reste surtout, protège-toi. Puis profite quand même de ce temps-là. Hein. Dans chaque épreuve, il y a des choses à apprendre. Puis c'est ça qu'on est en train de faire, là. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote pendant que je peux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote.